Hey, salut tout le monde, bienvenue à la troisième vidéo. Là, je vais parler de la gamme de produits en introduisant un peu les changements dans l'univers. Dans le métaplot, qu'est-ce qui est arrivé, tout ça. Toujours en buvant. Assez rafraîchissant. Voilà. Donc, allons-y. Allons-y, commençons avec le livre de base. Le livre de base, ben on a dans le livre de base les sept clans initiaux. Malgré le fait que depuis le Concile de Prague, dans le fond, ce fameux endroit où Théobel a tué Ardestadt le jeune et qui a lancé sa tête sur la table en disant « Les Broujas, suivez-moi, on n'est plus dans la gang. » Ben, les Broujas, les Gangrels avaient déjà commencé, les Broujas, excusez. Amener un J dans le J du Broujas. Bon. Mais les Broujas et les Kangrel ont quitté le Camarilla. Ce qui fait en sorte que là, ça a beaucoup affaibli les guerres intestines, l'espèce d'hégémonie des Ventru a finalement mis le pied, a fermé finalement la porte aux Kangrel et aux Broujas qui ont carrément rejoint le mouvement Anarch. Le mouvement Anarch était un peu comme le. Il était vu anciennement comme un peu le petit frère taré du Camarilla. Maintenant, c'est plus la même game du tout. Maintenant, si on regarde le reste, la gamme, je vous ai montré certaines choses. Tiens, allons-y maintenant. Une chose qui a introduit beaucoup le monde en soi, c'est le Beckett Diary, qui appartient à la gamme V20. C'est extrêmement intéressant à lire, honnêtement, que ce soit au niveau des lettres, que ce soit au niveau des passages journal intime, journal de voyage. Beckett, qui est un nodiste archéologue Gangrel, qui répertorie un peu tout ça, le Jayad, les grands mouvements de Jayad. On comprend beaucoup de choses, que ce soit ce qui se passait en dessous de New York, que ce soit la découverte incroyable qu'ils ont faite du côté du Moyen-Orient, que ce soit pourquoi les Tremères sont capables maintenant de casser le Blood Bond. Et aussi, ben, vous ne voulez pas la nouvelle Inquisition, puis ça, je vais vous en parler très bientôt. Cette lecture-là permet beaucoup de se mettre à jour et puis un peu faire le lien entre les métaplots qu'il y avait dans les anciens. Parce qu'il y a une partie des Final Nights qui ont été conservées, mais pas dans l'entièreté, du côté timeline canon. Ouais. Ensuite de ça, le Camarilla. Bon, le Camarilla, lui, vient tout nous expliquer qu'est-ce qui se passe au Camarilla, à quel point maintenant cette secte-là a été affaiblie par le départ des anciens. C'est une secte basée un peu sur la force des anciens, puis là, pff, il n'y a plus. Ça introduit aussi le clan. Là, on avait les sept clans de base. Maintenant, on vient inclure les Banu Hakim. Les Banu Hakim, qui maintenant, ils ne veulent plus se faire appeler les Asamites, ou ils veulent se faire appeler les fils d'Hakim, les Banu Hakim, qui est un clan qui prend de plus en plus de place. Leur malédiction a été levée. Hein? Ils peuvent maintenant en faire pas mal. Ils prennent beaucoup de place. Ils ont pas été. En étant tout le temps indépendants, ils prennent beaucoup de place dans le Camarilla. Ils veulent avoir un peu plus d'influence. Évidemment, peut-être que la guerre avec les Tremères fait partie de tout ça. Les Tremères, qui est un clan qui a le plus mangé à claque là, après le fiasco à Vienne. Ce qui est arrivé ben, à Vienne, leur gros chantry à Vienne. L'histoire avec bon, ce qu'on a vu, Goratrix, Solot et tout ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail, j'en ai pour des heures. Mais à Vienne, ben, la seconde Inquisition. Ça, je vais t'en parler bientôt. La seconde Inquisition, ils sont rentrés dans le Chantry à Vienne en pensant que c'était le quartier général des vampires en Europe. Ils sont rentrés là, ils ont mis tout à feu et à sang, tuant la grosse majorité des bonzes Tremères, des bonzes Tremères, les vieux vampires. Et là, t'as un clan qui est divisé en deux sur les traditionalistes, ceux qui veulent évoluer et tout ça. Puis t'as un clan qui est vraiment démoli, qui essaie de se reconstruire. Sur des jeunes vampires, parce que théoriquement, Karl Schreck, l'ancien justicier, est le plus
le Trémère le plus haut gradé, côté âge et tout ça. Donc on est ailleurs, là. Ça a beaucoup changé. Maintenant, si on regarde, qu'est-ce que je vais te montrer? Ah tiens, on est avec ça. Les Anarchs. Les Anarchs, c'était... Bref, le livre de base, le Camarilla et les Anarchs, c'est comme le bundle de départ de la V5. Les Anarchs, maintenant, c'est une très grosse secte qui a pris un peu la place du sabbat. Je vais t'expliquer pourquoi. Eux, on voit un autre clan qui rentre, qui a misé beaucoup sur son... je dirais pas son estime, mais son branding, le Ministry. Ministry, c'est les anciens Sept-Sites. Eux autres non plus, ils changent de nom, ils ont changé, ils essaient de se détacher un peu de l'église de Sept, montrer un côté un peu plus corporate, si on veut. Je veux pas aller plus loin que ça, là. Je vais pas dévoiler le secret, là. Mais effectivement, ce livre-là est beaucoup, très intéressant à lire, c'est anarch, là, tu vois. On dirait qu'ils ont pensé le livre, on dirait on va le faire de façon anarchique. Pas tant que ça, là, on s'entend. Il est très intéressant à lire. Les livres, moi, je les ai beaucoup dévorés. J'ai vraiment beaucoup apprécié la lecture. Fait que donc, dans le livre Anarch, bon, on parle du mouvement Anarch, comment il a évolué. Parce que maintenant, il y a des villes qui sont à eux, là. Les Anarchs, c'est plus les petits, comme on disait, le petit cousin taré du Camarilla, là, pour lequel Camarilla faisait c'est beau, mon jeune. Là, on a vraiment. C'est réellement considéré comme une menace. Et maintenant, les Anarchs ne sont plus acceptés au niveau du Camarilla, comme un peu les Sabbats l'étaient à l'époque. Ils ne sont plus acceptés. C'est une gang à part. Évidemment, s'il y a des gens qui veulent rentrer dans le Camarilla est tout le temps prêt, mais là, on se prépare un peu plus à une guerre qui va être un petit peu plus importante. Maintenant, une chose intéressante qui est sortie, c'est le Vampire Companion. Le Vampire Companion, celui-là ici, il est sorti seulement... Oups, devant le rond. Seulement en PDF. Puis il est gratuit. C'est un moment donné, Game Workshop, pas Game Workshop. Onyx Path qui a sorti ça out of the blue. Puis il a dit bon, voilà, poupe. Et gratuit, c'est en PDF. Moi, je l'ai fait imprimer par Lulu. Hein, j'ai genre, oui, chez Lulu. Là, tu sais, je l'ai fait imprimer. Et puis tout ça. Qu'est-ce qu'on a dans le compagnon, dans le fond? On va grosso modo aller beaucoup faire de l'expansion du côté des humains. Comment jouer des humains? Comment jouer des ghouls? Moi, à mon sens, c'est tout le temps quelque chose qui est pas utile parce que c'est plate, les humains, les ghouls. Maintenant, Ravno, Salubri, Dimiché. Les Dimiché, c'est tous des clans qu'on a ramenés. Maintenant, un point que j'aime moins, par exemple, c'est que au lieu de leur avoir donné leur discipline comme on avait donné avant, mettons, on a toujours Kimmerstree, mais Kimmerstree fait partie d'Offuscate. C'est un pouvoir d'Offuscate qui est réservé au Ravno. Mais bon, même chose avec Valoren, même chose avec Obea. Obea, maintenant, ça fait partie d'Ospex. C'est un amalgame, Ospex, c'est autre chose. Valoren, ça fait partie de Fortitude. Fait que c'est un sous-pouvoir de Fortitude. C'est intéressant. Ça fait en sorte, dans le fond, que c'est plus qu'un Salubri ben, qui va prendre, mettons, Valoren, le guerrier Salubri, Warrior et tout. Ben, c'est Fortitude, son pouvoir. Puis il va prendre un pouvoir bien ben réservé qui s'appelle Valoren. Dans ses pouvoirs qu'il va choisir d'un point de fortitude. Même chose avec les Imiché qui vont avoir, mettons, c'est de la protéine qui va devenir leur vicissitude, si on veut. Fait que, ça a une logique, tu sais, c'est pas mauvais, mais tu sais, je trouve que ça aurait été bien d'avoir un petit peu, la diversité était bien. Maintenant, c'est intéressant d'avoir, tu sais, que si t'as pas assez de jus pour faire une discipline avec ça, puis que la discipline ne devienne pas intéressante en bout de ligne parce que t'as des petits pouvoirs un peu boboches, je trouve ça intéressant, par exemple, de le joindre à autre chose, puis de dire, ben, ça fait partie d'un tout, c'est une spécialité un peu à part. Voilà. Fait que ça, c'est le compagnon. Le compagnon qui est gratuit, tu peux aller le chercher. Il est disponible et tout. Depuis le premier jour, dans le paquet de base, on avait le panel. Le panel, il est... Je te le montre parce que... l'intérieur est vraiment, vraiment bien fait. Écoute, c'est des tables de création de personnages, les coups en expérience. Je me souviens plus des autres panels, des vieilles éditions. Mais lui, je l'aime vraiment parce que vraiment... Écoute...
C'est un peu comme les kibbles and bits. Je trouve que c'est vraiment ce que les chiens veulent manger. Ben, c'est vraiment ce que les masters veulent voir. Bon, c'est un peu boiteux ce que je t'amène avec mes kibbles, mais bon. Ouais, les challenges, tout ça, le blood potency est là, le feeding, la génération, qu'est-ce que ça amène? Moi, j'ai trouvé ça, je trouve le panel, il est vraiment génial comme il est là. C'est un des panels qui... c'est un des panels que je... On dirait qu'avec le temps, tu as des panels devant toi, puis on dirait que tu oublies un peu des utilisés. En tout cas, moi, j'oublie un peu des utilisés parce que, bon, il y a une table dans la page qui est intéressante, le reste, c'est ça que j'utilise pas. Mais ça, honnêtement, c'est le panel que je regarde, que j'ai regardé le plus depuis un bon bout de temps, depuis le panneau orange avec un dragon de Donjons et Dragons, deuxième édition. Dragon comme ça. Bon. Ça, c'est le panneau. Il y en a un autre qui est prévu bientôt, parce que je pense que Vampyr a changé de distributeur. Il était avec Modifius, il est rendu avec Renegade Games. Ça se dit bien, Renegade Games. Il y a déjà des livres qui s'en viennent, ça je t'en parle dans deux minutes, d'autres, des nouveaux livres qui s'en viennent. C'est un peu étrange parce que, regardez, il y en a certains que c'est, mettons, Onyxpath qui va faire, tu sais, comme celui-là, c'était un Kickstarter, c'est Bloods, Cult of the Blood Gods, je vais t'en parler. Chicago by Night, tu sais, bon, c'est des livres qui ont été faits par Onyxpath, Modifius en faisait, c'est comme sous licence et tout ça. C'est un peu difficile, il faut que tu les ramasses chez Lulu, bon, je sais pas si sont disponibles en magasin, je suis comme un peu différent, là. Il y a comme des licences données à des tierces compagnies. Voilà. Ça n'empêche pas que le produit est intéressant, puis tu sais, tout ça, puis tout, là. Alors, je vais boire un délicieux. Maintenant, chose où je te parle. Les Lordsheets. Je t'ai montré celle-là ici d'Ardestadt, les descendants d'Ardestadt. C'est intéressant parce que plus que tu t'achètes de livres, plus que. Ben plus tu as les livres, plus que tu as accès à des Lordsheets comme ça. Qui font en sorte que quand. Comme là, dans le fond, ça prend un personnage Ventrue qui se dit ben, que moi, je suis un descendant d'Ardestadt. Ardestadt, le très vieux vampire et tout ça, avec. Très vieux vampire, celui qui est mort au Concile de Prague par Théobel. Ben, ça donne un peu des avantages différents. Ça donne des avantages différents, bien particuliers à cette Lordsheet. Et là, il y en a un paquet de Lordsheet. Chaque livre, là, tu t'ouvres un livre, là, tu cliques un livre, regarde, tu t'en vas souvent, là, sont à la fin. Là. Je vais m'en faire chier, il n'y en aura pas, ou si je ne les trouverai pas. Il y en a plein. Ah tiens, regarde, mettons ici. Harbinger of Ashur ou la Familia Giovanni. Parce que tu vois que la Familia Giovanni, elle n'existe plus vraiment en soi en tant que famille Giovanni. Fait que donc, c'est des choses qui viennent spécialiser un peu ton personnage dans ses avantages et tout ça. Fait que là, des Lordsheets, il y en a partout. Ça donne des avantages en particulier. Parce que maintenant, les avantages, c'est un peu... comment je peux dire? Ça fait partie... Merit and Flaw, avantages, désavantages. Tu sais, ils ont dit, ben... Si tu peux, mettons, avoir 4 de ressources, ben tu peux avoir un flow à 2 qui s'appelle casser comme un clou. Je dis ça de même, là, mais c'est un peu ça. Fait que, bon, les avantages, les merits and flow, c'est un peu tout mêlé ensemble. Il n'y a plus vraiment de complications là-dedans. Là. Après ça, tiens, allons continuer la gamme. Chicago by Night. Ben, Chicago by Night, là, on vient introduire le clan de la Sombra avec son nouveau pouvoir qui s'appelle Oblivion. Le clan La Sombra qui a mangé une claque monstrueuse aussi, parce que bon, je vais te parler de Sabbath dans quelques minutes là. Mais le clan La Sombra qui essaie de rentrer dans le Camarilla, mais tu sais, bon, leur cœur est ailleurs là. Voilà, il y a un update beaucoup sur Chicago aussi que l'espèce de guerre de Mathusella qu'il y a eu à Chicago a brassé les cartes beaucoup. Le livre est très beau. C'est un beau livre. Les livres de vampires sont tous très beaux. La seule affaire qui me dérange, là, je vais te le montrer là, exactement ce qui me dérange, c'est qu'on dirait qu'ils l'ont réglé avec le temps, mais il y a comme un esthétisme qui est très haute. Ça, c'est le livre de base. Okay? Tu as une esthétique qui est très haute, et là, à un moment donné, tu arrives avec, avec des dessins un peu comme ça qui est comme moins hot. On dirait que c'est comme une page de Vogue magazine qui ont mis du sang dessus. T'as des dessins. Il y a certains endroits... Là t'as des comme des
des peintures ou des gravures, ou en tout cas, bref. Là, tu as des photos retouchées. Et là, tu arrives dans des places comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Les dessins sont quand même intéressants. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, tu arrives avec des dessins. Oh, tiens, je regarde la madame. Ça se veut une Ventrue qui a du cash, puis un gant avec des griffes dessus. Mais tu sais, c'est pas égal. Ouais, c'est comme pas égal. Puis je sais pas, ça m'a comme frappé. Tu sais, puis t'as des dessins aussi des premières éditions à certains endroits, ce que tu sais, pour rappeler les sources, j'imagine. Pour rappeler les sources, tu sais, mais je trouve que des fois, c'est pas égal au niveau des dessins. Surtout quand t'as des livres iconiques comme le Chicago by Night. Bon, maintenant, si on continue. Chicago by Night, là, mettons, ils ont sorti aussi un ajout qui est le Chicago Folio. Le Chicago Folio, là, si on regarde, là, en fait, c'est principalement des hooks. Beaucoup, beaucoup de hooks, de games, des histoires, des petites affaires qui peuvent arriver. Puis là, tu développes ta campagne autour de ça. T'as beaucoup de lore sheet dedans, comme je t'expliquais. Et t'as des NPC, mon gars, t'as une chier d'NPC de Chicago. Fait que théoriquement, si tu prends Chicago, tu prends les deux livres, t'as pas besoin de faire un personnage, tout est là. Fait que c'est un rajout intéressant, quoique non essentiel. Sur Chicago aussi, ils ont sorti un autre rajout, je pense que c'est dans le Kickstarter. Let the Street Run Red. C'est quatre chroniques. T'as aussi des lore sheets. C'est quatre chroniques. T'as des lore sheets. T'as des petits trucs là-dedans intéressants. Chaque chronique, les chroniques sont bien faites. Moi, j'en ai deux que j'ai vraiment bien regardées. Elles sont bien faites, sont intéressantes. Ils vont rajouter aussi des rituels magiques un peu partout que tu peux gonfler ta banque avec ça. C'est intéressant. Il y a aussi, tu sais, mettons, comme dans le deuxième aventure, il y a un nouveau Predator type qui s'appelle le Roadside Killer. Fait que c'est genre le gars qui fait du pouce, ou le gars qui ramasse des pousseurs, tu sais, puis lui, ben c'est là qui fait sa job. Bon, voilà. Fait que ça, c'est quatre belles aventures. Je trouve qu'ils ont beaucoup misé sur faire des chroniques, ce qui était un flop majeur, les autres éditions. Tu sais, moi, j'aime beaucoup prendre une chronique, l'intégrer dans ma partie, la faire en sorte qu'elle matche avec le reste, prendre des... Puis souvent, ça me donne une idée de comment le jeu veut qu'il soit géré. Tu sais, tu ouvres un livre, puis tu regardes l'aventure de base, c'est que du combat, mais tu sais, t'as une bonne idée que l'auteur, c'est ça qu'il a prévu pour son jeu. Dans ce cas-là, tu vois que, écoute, beaucoup de personnages ont les stats qu'à moitié ou tout ça. Non, pour vrai, ce livre-là m'a un peu réconcilié avec les chroniques de vampires qui étaient... Je trouve que il faisait du fluff incroyable, mais il faisait des aventures qui valaient rien un peu. Voilà. Après ça, bon, là, c'est pas nécessairement dans l'ordre chronologique. Là, au début, oui, mais à un moment donné, je l'ai échappé. Là, fait que j'essaie de te mettre en cohérence. The Fall of London. Ça, c'est la première grosse campagne que Vampire a fait. C'est une chronique au complet. Ça se passe à Londres. C'est une ville qui a mangé à claque. Là, tu t'en vas directement d'une guerre de succession. C'est exactement ça qui se passe. Tu arrives d'une guerre de succession. Des gros power players, il n'y en a plus beaucoup. Tu sais, je t'ai parlé du Beaconing dans une autre vidéo. Tu sais, ils sont tous partis en Moyen-Orient là, à manger sûrement des falafels. Et tuer des vampires avec pour le Jayad. Voilà. Mais il y en a un ou deux power players. Fait que donc, tu joues un peu le pion jusqu'à temps que tu comprennes un peu l'idée. Je veux pas aller plus loin, là, je veux pas se couper ni rien. Le dernier Kickstarter, c'est The Blood of God. Non, excuse, Cult of the Blood. Dans lui, bon, on vient rentrer un nouveau clan. Après les événements de l'Orient, ils ont trouvé en ce cas un Mathusel. On ne l'a pas trop su dans le livre de Beckett, c'était quoi? Final. Mais il y a eu bien du chiard avec certains clans qui se sont un peu mergés ensemble. Ils ont dit ok, fuck it, là, on est tous divers, on fait un peu toute la même affaire. On va s'allier de façon. On est déjà des bloodlines, c'est comme toutes des bloodlines du même clan, et c'est le clan Hecata. D'où la déesse grecque de la mort. Mort grecque, Hécate, romaine. Oh, romaine, je pense que c'est l'équivalent romain de
la Chix à Odin, pas Odin, mais la Chix à Zeus, là, tu sais, qui est pas fine, puis qui, en tout cas, qui chasse Hercule avec son diadème dans les émissions, là, tu sais, avec le grand. En tout cas, c'est son version romaine, Hécata, plusieurs faces, quelque chose comme ça. En tout cas, je suis pas très bon en mythologie celtique. Puis, ça, c'est Geekland, en fait, c'est les Harbinger of Skulls, les Jovami. T'as les samedis et les Nagaraja qui se sont collés un peu là-dedans. Là. Les Nagaraja qui n'étaient pas un clan, bon, c'est un bloodline mineur là, qui eux têtaient le sang puis mangeaient les ribs. Fait que c'est un peu ça. Et qu'eux autres sont comme tout ensemble. Mais ils ont quand même leur diversité, mais ils font partie d'un clan uni pour être capable d'avoir une espèce de rayonnement. Là, je te laisserai lire là, les Kata. Moi, je suis un peu rendu là dans ma lecture, là. Je suis en train de passer à travers des Hécata. C'est intéressant, eux autres aussi, ils ont toujours leur côté très necromancer, mais diversifié quand même. Là. Parce que avec les samedis, avec les Nagaratis, samedi puis Giovanni, on était quand même tout azimut. Puis t'as des lore sheets à propos de Giovanni, tu sais, ce que je te montrais tout à l'heure, la famille à Giovanni. Tu sais, encore quelque chose au niveau de la famille des Giovanni, là, mais évidemment, avec ce qui s'est passé avec le grand patron Giovanni, a failli déclencher une espèce de guerre thermonucléaire en baissant la barrière entre le monde des esprits. Mais tu sais, quand t'es un nécromancer et tu fais chier des esprits, baisser la barrière entre les deux peut ne pas être une bonne chose. En tout cas, bref, je veux pas aller là, mais ça, c'est tout dans le livre de Beckett. Là. Tu lis ça puis tu vas être à jour. Dans le culte of the Blood God, intéressant aussi, il y a tous les cultes du... tous les cultes humains, les cultes vampires, il y a un paquet de cultes de religions bizarres, parce que là, c'est vampire, c'est du monde religieux dans le fond, t'sais, on est habitué à jouer, je suis un broja, j'ai un jacket de cuir, mais tu sais, dans le fond, ça se peut qu'il soit très très spirituel. Mais effectivement, il y a tout ça, toutes ces religions, ces clans étranges-là, ces cultes étranges-là, ben, ils sont là-dedans, ce qui fait de lui un livre assez intéressant à lire. Et t'as aussi pas juste ceux du vampire, mais t'as aussi tous les cultes humains, qui souvent c'est des cultes un peu sectaires et tout ça, qui peut partir des belles. Ça peut être des beaux fonds de chroniques. Moi, je me promets de les utiliser certainement pour juste mettre un petit peu plus de marde sur la tête à mes joueurs. C'est un peu mon passe-temps dans la vie, ça, les enterrer de caca. Voilà. Ensuite de ça, de ce livre-là est sorti d'autres livres. Parce que souvent, c'est un peu ça. Il y a le Kickstarter, puis là, bouf! Tu sais, t'as vampé la mascarade, ben là, ça s'enflamme, puis là, t'as un paquet de petits bonus, des pledges, puis, tu sais, mettons, le mot m'échappe, là. Mais tu sais, quand tu kickstart, là, souvent, tu regardes, là, c'est quoi les bonus, puis c'est quoi, tu sais, mettons, si tu rentres des tels paliers, puis tout ça, puis c'est quoi les goodies qu'ils vont te donner avec, là. Fait que là, tu vois qu'il y a plein d'autres livres, des fois. Fait que tu vas payer ton livre de base, il va être cher, mais ça se peut que t'aies 3 ou 4 livres qui viennent avec. Souvent, il va arriver par la suite. Fait que ça, c'en était un. Children of the Blood, qui venait avec Cult of the Blood, Cult of the Blood Gods. Children of the Bloods, moi, écoute, bon, c'est un livre qui a beaucoup d'expansion sur ta partie, que ce soit au niveau des mérites, là, des avantages, désavantages. T'as beaucoup, j'ai trouvé beaucoup d'NPC, beaucoup de coteries, des exemples de coteries, des exemples de comment booster ta coterie, des avantages inconvénients de coterie. J'étudie beaucoup d'NPC, bon, voilà. Maintenant, dans le futur, que se passe à l'essentiel? C'est un acteur, c'est que ça. Regarde mon œil. Tu vois là. Bon, dans le futur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui se passe? Bon, premièrement, moi, j'ai déjà commandé un livre qui est sorti, qui est aussi une. Qui est aussi, je pense, un des. Hey, le mot m'échappe, c'est quoi là? Les pledges. Tu sais, les bonus dans un Kickstarter, ça s'appelle les. En tout cas, ça. Ce bonus-là, c'était le Trails of Ash and Bones. C'est un source book. Je ne l'ai pas encore reçu. Je ne l'ai pas encore gardé. Je pense qu'il y a quand même pas mal de NPC là-dedans. Il y a des chroniques aussi. Je pense qu'il y a des aventures. Fait que ça va être sûrement intéressant. Il va sûrement avoir des lore sheets et tout. Et tout. Maintenant, Renegade Games. Faut dire vite. Renegade Games.
qui a repris un peu la distribution et tout ça de Vampyr, parce que évidemment, Vampyr, c'est plus vraiment White Wolf, c'est comme Paradox, là, c'est comme la compagnie, la grosse compagnie de jeux. Puis, bon. Fait probablement qu'ils se disent, oh, nous autres, on n'est pas bons en jeu de rôle, fait qu'on va comme sous-traiter. Ben là, Renegade Games, c'était un peu leur job, puis là, ils ont déjà annoncé, quelques livres. Écoute, reste assis, là, je t'en parle. Premièrement, un qu'ils ont annoncé qui s'en vient cet automne, c'est. Le sabbat, c'est étonnant. Parce que. Il en parle à peu près pas nulle part. Là, ils ont pris le temps de dire The Black. La main noire. Le sabbat, il est presque plus. Écoute, il a été démoli, le sabbat, sérieusement. C'est lui qui a été le plus touché par le beaconing. Fait que ça, 90% du sabbat a tiré sur le camp de l'autre bord. Ils sont tous partis au Nouvel-Orient manger des falafels. Puis. Ils sont allés là-bas, ils sont allés se battre là-bas. Puis, tu sais, c'est plus ou moins expliqué ce qu'il y a là-bas, tu sais, qu'est-ce qui se passe. Moi, que ça va arriver un moment donné, qu'on va avoir plus de jus sur cette espèce de beaconing. Théoriquement, il y aurait eu comme un. On le voit un peu dans Beckett, je sais pas si c'est exactement l'affaire qui arrive dans Beckett, là, mais tu sais, il y aurait eu un gros Mathusalem ou un antédiluvien qui se serait réveillé, puis que là, la guerre est prise là-dedans, mais tu sais, pour avoir un impact aussi grand sur tout le monde, qui attire à lui, siphonne comme un aimant des vampires aussi vieux, faut que ce soit comme popé costaud, là. Après ça, fait que dans le sabbat, je sais pas qu'est-ce qu'il va avoir, ça va être autre, mais là, les clans majeurs sont pas mal sortis, peut-être qu'ils vont nous sortir un peu quelques bloodlines, des trucs comme ça, genre les... c'est quelque chose que tout le monde aime jouer, genre les Blood Brothers. Ou les Bali. Les Bali, c'est déjà plus cool, à mon sens, là, déjà, le Bali. T'sais, c'est un méchant qu'on aime, le Bali. T'sais, il appelle des démons, pis tout ça. Bon, voilà. Werewolf. Werewolf est appelé à sortir. On le voit, il est là. Pis je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Mais il a été annoncé. Après ça, ils vont sortir un deuxième panneau. Le panneau, dans le premier, je t'en ai parlé un peu, là. Il y a un petit livre qui vient avec, le Storyteller Toolkit. Le Storyteller Toolkit, en fait, c'est des encounters. C'est beaucoup d'encounters, des stats de... si tu tombes sur un chien méchant, parce que moi, les chiens sont tous méchants. Je suis une thérapie pour essayer de... Mais les chiens sont tous méchants. Surtout qu'à la maison, je n'ai que 3 enfants et un lapin. Un petit lapin bélier. Storyteller Toolkit, il te donne un peu des encounters. Tu sais, mettons, c'est quoi les... un facteur, c'est quoi ses stats. J'imagine qu'un facteur n'a pas nécessairement plus de stats qu'un humain normal. Tu sais, bon, c'est intéressant, tu trouves le livre, tu as ça, tu dis « Ah, mais comment je peux plugger, mettons, un technicien en automatisation? » Ah, ben, ça, bon, voilà. Mais t'as plein de trucs là-dedans, surtout pour faire des encounters, puis tu sais, avoir... T'as même une table, je pense, que tu peux rouler des encounters. Autre chose qu'on a prévu, hey, là, tu vois, une gang qui vont capoter, là. Ils ressortent le Book of Nod. Book of Nod, qui n'est pas un livre de jeu en soi, c'est plus un livre de référence, c'est comme la Bible des vampires. Dans lequel, bon, il y a tout un peu un ragtag, un ramassis de textes qu'ils ont ramassé avec le temps pour être capable de faire une espèce de Bible, puis certains nodistes vont l'interpréter pour dire, ben, mais quelles sont les théories qui vont nous tomber dessus, puis tout ça, puis là, des fois, c'est interprété à bien, des fois, c'est interprété à mal, des fois, des choses se sont réalisées, d'autres choses, c'est la pure élucubration. Maintenant, ensuite. Mais quand ça. Là, c'est ça, il faut que je t'explique. Sabbat est cassé à quelqu'un, fait que ça a fait du ravage. Il y a des villes qui sont tombées vides. Camaria, une gang de Camaria qui sont partis. Là. Les vieux Camaria, bon, ils sont partis. Il reste juste des gens. Sauf qu'il y a une chose qui est arrivée dans. Encore une fois, tu peux le voir dans Beckett, c'est qu'il y avait les Nosferatu avec comme leur espèce de système Internet parallèle. Ouais, tu sais, en tout cas, par Internet. C'est comme un système de communication qui s'appelait ShrekNet. ShrekNet, ça leur servait de communication et tout ça. Mais là, il est trop arrivé d'affaires, là. Il est trop arrivé de stock. Là, je ne veux pas aller dans le détail. Mais il y a des gens organisés qui ont commencé à se dire. Non, là, moi, je vois des affaires. Là, on a des preuves. On est tombé sur ce qu'ils appellent des blank bodies, donc des vampires. Ils ont parlé de non-vampires, mais là, ils ont commencé à investiguer un peu, savoir c'est quoi ça exactement, c'est quoi les pouvoirs. Ils sont capables de et là, c'est là que s'est formée la Seconde Inquisition. Mais attention, la Seconde Inquisition, c'est pas la société de l'Opal, une gang d'illuminés en cheval avec des torches qui font Dieu le veut, là. Non, non, on est loin de là.
Là, on a des ressources gouvernementales qui sont là-dessus, qui vont rentrer dans le tas, qui t'as la NSA qui analyse tous les mots-clés qui sont tapés sur Internet. Fait que si mettons Knit ou Vampire sort, ben ils savent exactement. Puis là, t'es rendu avec des équipements de pointe. Là, dans les aéroports, t'as des X-Scope qui détectent un peu la chaleur. Fait qu'ils sont capables de voir, mettons, ça sonne si, mettons, la chaleur est trop basse pour, si, mettons, une personne passe puis il est comme à 15 degrés, ça va sonner puis ils vont être capables de lever ça. Il y a les Fire Breath Weapons, tu sais, les espèces, c'est des balles, mais composées chimiques pour être capable d'allumer. Fait que, tu sais, je veux dire, tu te fais mitrailler puis c'est une rafale d'aggravated, tu sais, c'est sauvage, là, puis tu sais, c'est des Navy SEALs, c'est plus le gars à cheval avec son livre et sa croix. Là, la plupart du monde ne croit pas. Là, c'est des Navy SEAL qui vont t'attaquer. Mais quand tu attaques avec un gun automatique qui tire de la gravated, c'est fatigant. Vous demanderez à Jaden Thomas, un des joueurs de ma partie, qui s'est reçu un burst. Et ça a été pas facile pour ça. Bref, il a failli passer. Mr. Ventrue, fait que, tu sais, je veux dire, un Ventrue. Voilà. Écoute, je pense que j'ai fait le tour. Écoute, j'en ai dit en tête, ça fait un butch là-dessus. Il va me rester une dernière vidéo que ça sera pas dans les trois que je t'ai dit, là, je vais en faire un peu plus tard. Je vais parler de la campagne. C'est quoi les pour, les contre, où ça a scoré, où ça a pas scoré. Là, je t'ai fait un gros boost d'informations sur Vampire V5. J'espère que ça t'a donné le goût parce que moi, je la trouve vraiment intéressante. Mais la prochaine, ben, ça va être vraiment plus au niveau du... Au niveau de la campagne en soi, je vais t'expliquer un peu par quoi je passais, c'est quoi certains procédés narratifs, parce que j'avais des appréhensions par rapport au vieux vampire que je voulais pallier. Voilà. Ben, ça m'a fait plaisir. On se reparle bientôt. Ici Rat Burger et à la prochaine.